Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez assister marque les dissolutions de l'escadron de soutien technique aéronautique 2E012, de l'escadron de protection 1G103 et de la base aérienne 103, commandant René Mouchotte. Cette cérémonie sera présidée par le général Paloméros, chef d'état-major de l'armée de l'air. Les troupes rassemblées devant vous sont placées sous les ordres du lieutenant-colonel Pépi, commandant en second et adjoint force de la base aérienne 103. La prise d'armes débutera par les honneurs au drapeau de la 12e escadre et se poursuivra par une revue des troupes par le général d'armée aérienne Paloméros, chef d'état-major de l'armée de l'air, et le colonel Gernèse, commandant la base aérienne 103. Base aérienne 103, à mon commandement. Garde à vous! Présenté. Le drapeau et sa garde. Au drapeau. Reposez. Hop. Repos. Hop. Repos. Garde à vous. Le drapeau sans sa garde. Récipient d'air, sortez des rangs. Médaillés, décorés, rejoignez vos emplacements. Le drapeau rejoint sa garde. Ouvrez le banc. Ordre du jour numéro 40. Dissolution de la base aérienne 103. Commandant René Mouchotte. Garde à vous! Présenté. Oh! Le fanion de l'escadron de soutien technique aéronautique 2E012. Présentez le fanion.
présenter hop, le fanion de l'escadron de protection 1G103. Présentez le fanion. Présentez le drapeau de la 12e escadre de chasse et sa garde. Présentez le drapeau. À vous. Présentez mon général, la cérémonie est maintenant terminée. Reposez. Oh. Repos.
maintenant jouer une aubade devant la tribune officielle. Rassemblant plus de 60 appareils, 1000 militaires en provenance de 17 nations, exercice fédérateur, mais aussi révélateur des capacités et attitudes de nos aviateurs à organiser et soutenir des opérations aériennes de grande ampleur. Pour conclure sur un plan plus personnel, je voudrais vous dire que je viens de passer 3 merveilleuses années ici à Cambrai. Car c'était sur une base aérienne, au milieu d'officiers, de sous-officiers, de militaires du rang et de personnel civil de grande valeur, car c'était à Cambrai au milieu de véritables amis. Un moment tellement poignant, tellement émouvant, le colonel Gervenès en a dit beaucoup, ce qui va me permettre de raccourcir mon discours. Vous comprendrez l'émotion qui m'étreint au moment où
où nous fermons cette base. Puisque j'y suis arrivé en août 85, je rejoignais Cambrai en quittant Saint-Maur-de-Provence. Et je serai amené à être ici aujourd'hui parmi vous pour clôturer cette magnifique aventure que représente la vie d'une base aérienne, qui ont tant donné et que nous avons toujours, toujours trouvé à nos côtés, dans la peine et surtout dans la joie. Et ce sont ces moments heureux que nous voulons garder en mémoire aujourd'hui. Et si vous me le permettez, en toute amitié, je vous m'excuserai pour les déformations éventuelles. Mille merci à vous autres et à la revoyure.